acclamer ton Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, reçois notre acclamation en signe d'honneur, de révérence envers toi. Amen. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu? Alléluia, nous sommes heureux d'être dans sa présence, d'être dans sa maison. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia, d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Hey, mon Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Voilà, c'est un peu plus joyeux, mais c'est pas encore ça, mais c'est pas grave, ça va aller. Alléluia, donc nous voulons honorer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Tsengué, le père du ministère ACER. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, parce qu'il a donné sa vie en offrande pour le service de Dieu, pour amener cette vision à la réalisation. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il a été obéissant à cette vision et qu'il a donné sa vie pour que cette vision prospère. Amen. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour tous les pasteurs d'ACER Paris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Essine Toutoum, le pasteur Isaac Toutoum? On peut continuer d'acclamer pour le pasteur Grâce Mafoy, le pasteur Gentil Mafoy, le pasteur Darius Rocambourra, maman Chantal, le PE Syriac, ainsi que sa merveilleuse épouse, maman Liliane, que nous saluons ici en ce moment. Et nous voulons aussi bénir le Seigneur pour les 12 de l'apôtre qui font un travail formidable et qui donnent leur vie afin de pouvoir paître le troupeau du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur aussi pour toutes les personnes qui sont en service ici à l'ACER Paris. Nous pouvons acclamer le Seigneur encore plus pour eux, pour le sacrifice qu'ils font à différents niveaux dans les pôles, dans les départements. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour leur vie et nous leur disons merci pour ce qu'ils font dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous voulons bénir le Seigneur aussi pour votre vie, vous qui êtes ici, assemblés dans ce lieu, et toutes les personnes qui nous regardent au-delà de l'écran. Nous voulons acclamer le Seigneur aussi pour vous. Amen, amen. Alors nous sommes dans le mois de la manifestation de la puissance de Dieu dans les dons spirituels. Amen. Ce mois est pour communiquer un feu par rapport aux dons spirituels. Ce mois est pour que vous désirez, que vous aspiriez aux dons spirituels. Ce mois est pour votre manifestation dans les dons spirituels. Que quelqu'un dise amen. Je le désire et je le crois. Amen. Donc, je suis toujours dans mon message, le Saint-Esprit principal acteur, acteur principal dans la manifestation des dons spirituels. Amen. Nous savons que le Saint-Esprit est celui qui distribue les dons spirituels et que nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester les dons spirituels. Et la Bible dit qu'il les distribue comme il veut à chacun d'entre nous. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que, en fait, c'est un équipement spirituel dont nous avons besoin pour l'utilité commune. Alléluia. Pour l'utilité commune. Ce sont des dons importants, des dons de grâce que le Seigneur donne pour l'équipement spirituel de chacun de ses enfants. Amen. Alors, nous allons parler du Saint-Esprit étant un avantage. Quatrièmement, le Saint-Esprit, un avantage. Un avantage, c'est ce par quoi on est supérieur. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as un avantage, tu es supérieur par rapport aux autres. Tu as quelque chose qui te donne une supériorité par rapport aux autres. Alléluia. Et nous allons lire Jean 16, du verset 7 à 15, qui nous dit « Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Alléluia, que quelqu'un dise amen. Il n'est pas venu pour faire son propre ministère. Il ne parlera pas de lui-même, alléluia, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir, alléluia. D'où l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Il nous annoncera les choses à venir. Peut-être que tu n'arrives pas à capter les choses dans l'esprit, dans l'avenir, alors avec le Saint-Esprit, tu es capable d'annoncer ces choses qui vont devenir, alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à
est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Alléluia. Quel glorieux avantage que nous avons d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un avantage qui nous rend supérieurs aux autres. Amen. Il nous dit qu'il parlera, en fait, qu'il viendra un autre consolateur. Un autre consolateur. Alléluia. Et j'ai regardé la définition de consolateur. Il s'agit de quelqu'un qui soutient la cause d'une personne et prend soin de tous ses intérêts. Quand Jésus était sur la terre, il prenait soin des intérêts du Père. Maintenant qu'il devait partir de la terre pour aller à la croix et faire en fait en sorte qu'il puisse avoir la victoire sur le péché, la maladie et toutes ces choses pour nous faire régner ici sur cette terre, alors il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui agisse sur cette terre. Parce qu'après ça, il ne pouvait plus rester sur la terre. Il envoie un autre que lui pour défendre les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il ne vient pas pour sa propre cause. Il vient pour défendre les intérêts du royaume de Dieu. Et avec toi, alors il va défendre les intérêts du royaume de Dieu et plaider la cause de l'évangile ici sur la terre. Amen. Donc il est là pour ça. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est un avantage pour nous qui sommes disciples du Seigneur, car il est là pour pouvoir défendre les intérêts du royaume de Dieu. Et nous sommes là pour ça. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Il distribue les dons, il donne à chacun des dons. Et ces dons doivent s'exprimer ici sur cette terre pour défendre les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important, l'évangile doit être en action. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. Alléluia, nous savons qu'au début, dans la Genèse, la Bible dit que, en fait, le Saint-Esprit, en fait, était au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Alléluia. Et quand Dieu parlait, alors le Saint-Esprit manifestait tout simplement les paroles de Dieu. Et le Saint-Esprit est encore là pour manifester les miracles, les prodiges, les guérisons, pour manifester des paroles de la part du Seigneur qui sont cachées et que nous devons révéler. Alléluia. Amen. Il est là pour agir, il est là pour faire quelque chose dans nos vies. Et la Bible dit que, en fait, quand Jésus était sur la terre, c'était pour répandre un feu. Et ce feu-là lui a permis de pouvoir chasser les démons, de guérir les malades, de produire des miracles ici sur cette terre. Et en envoyant le Saint-Esprit, il envoie encore un autre feu pour que les chrétiens ne soient pas endormis, mais qu'ils aillent aussi et faire la même chose que Jésus. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans sa parole, en fait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc nous ferons de plus grandes, les mêmes choses que Jésus, mais encore des plus grandes. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Cette personne est venue aussi avec un feu pour embraser les chrétiens. Alléluia. Et pour répandre ce feu sur la terre. Alléluia. Il est venu pour cela, pour faire, pour nous aider à accomplir les mêmes œuvres que Jésus. Et encore de meilleures et encore de plus grandes. Est-ce que ton aspiration peut être à ce niveau-là? Alléluia! Est-ce que tu peux te voir faire les mêmes choses que Jésus sur la terre avec les dons spirituels? Alléluia! Est-ce que tu peux te voir faire de grandes choses, des choses encore plus incroyables que ce que Jésus a fait sur la terre? Alléluia! Ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit doit faire dans nos vies. Alléluia! Amen! La Bible nous dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3:11. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui, le feu pour faire taire les œuvres de la chair et que les intérêts de la chair ne soient plus ses intérêts, les intérêts personnels ne le soient plus, mais que les intérêts du royaume puissent naître. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça qu'il y a le feu pour éteindre les œuvres de la chair et se diriger vers les œuvres de l'esprit, les intérêts du royaume de Dieu. La Bible nous dit dans Actes 2, 1-4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ça a commencé là-bas. Alléluia. Par rapport aux chrétiens.
Ça a commencé là-bas et ça continue encore. Le Saint-Esprit agit encore pour nous baptiser de feu et nous baptiser du Saint-Esprit. Et le signe évident du parler, du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Et vous devez aspirer à cela. Parce que le baptême du Saint-Esprit est un don qui est offert à tous. C'est un don cadeau, un don d'oréa. Alléluia. Et nous avons besoin de cela pour pouvoir être encore plus efficaces dans notre ministère, dans ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Dieu a besoin qu'on puisse agir dans cette sphère-là, alléluia, avec le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise « avec le Saint-Esprit ». Alléluia, il nous baptise du Saint-Esprit. Et en nous baptisant du Saint-Esprit, en fait, il fait que nous soyons un seul corps et que le Saint-Esprit habite en nous et fasse une habitation de Dieu par l'Esprit comme temple de Dieu. Alléluia. Une habitation, alléluia, pour agir à tout instant, pas de manière sporadique comme dans l'Ancien Testament, mais une habitation demeurée pour agir à chaque instant. Quand le Saint-Esprit a besoin de t'agiter, de t'utiliser, alors il préfère habiter dans la Nouvelle Alliance afin de t'utiliser comme il veut, au moment où il veut et quand il y a un besoin qui se présente. Amen. Amen, nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est un avantage. Et nous devons considérer cet avantage que nous avons. Alléluia, est-ce que tu considères la personne du Saint-Esprit? Parce que c'est cette personne-là qui a tous ses dons, alléluia, qui a tous ses dons spirituels et qui habite en toi. Et pour pouvoir exprimer ces dons que Dieu a déposés en toi, alors il faut considérer cet avantage-là qu'est le Saint-Esprit. Amen, il est avantageux pour nous qu'il soit là. Il est avantageux pour nous qu'il agisse en nous. Il est avantageux pour qu'il puisse nous utiliser. Alléluia. Parce que nous serons plus efficaces et nous pourrons faire de plus grandes choses pour lui. Amen. On a vu comment Pierre et Jean ont été utilisés. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, on a pu voir ce qu'ils ont fait. On va voir un petit exemple. C'est le boiteux qui était là dès sa naissance, à la porte dite la Belle, pour mendier. Et la Bible nous dit en fait qu'il était là pour mendier et il s'est arrêté. Et Pierre et Jean se sont arrêtés pour lui dire « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit « Je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et en faisant un saut, il se tint debout et marcha. Il entra avec eux au temple, marchant, sautant, louant Dieu. Alléluia. Amen, c'est ce genre de témoignage que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie, alléluia. Des personnes qui reçoivent leur guérison et ensuite en fait ils louent le Seigneur, alléluia. Amen, il a besoin de nous, il a besoin qu'on soit disponible, on a besoin de considérer cet avantage que nous avons. Nous partons pas seuls, nous partons pas orphelins, mais nous partons avec le Saint-Esprit, amen. Et Jean 14, 18 nous le dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous, dit le Seigneur, alléluia. Et le Saint-Esprit est venu, il est là, alléluia, il est là pour agir, il est là pour être en action, il n'est pas là pour rester assis, mais il est là pour agir. Que quelqu'un dise action. Action avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te voir agir avec le Saint-Esprit? Quand il te dit va à droite, tu vas à droite. Quand il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Alléluia. Quand il te dit va prier pour ce malade, tu vas, tu pries pour ce malade. Alléluia. Et quelque chose se passe dans sa vie et il obtient la guérison. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a besoin de faire ça en nous. C'est un avantage et il est garant des intérêts du royaume de Dieu. Alléluia, il est là pour accomplir la parole de Dieu. Tout ce qui a été dit dans les temps anciens. Alléluia, quand la Bible disait dans Joël que le Saint-Esprit viendra, que l'Esprit du Seigneur viendra, et en fait, il répandra, en fait, que le Saint-Esprit se répandra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Alléluia, il est venu pour répandre un feu. Dis avec moi, un feu, un feu, un feu. Un feu qui ne s'éteindra pas, alléluia, parce qu'il est question de passer le relais à quelqu'un d'autre et de former quelqu'un d'autre, alléluia. Un feu qui ne doit pas s'arrêter. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il fait son habitation en nous pour que nous puissions agir avec lui, alléluia. Et il a besoin qu'on soit connecté à lui. Amen.
Ce que j'aimais avec les disciples du Seigneur, quand ils ont reçu ce feu, quand ils ont reçu cette onction de la part du Saint-Esprit, ils étaient connectés à l'Esprit. Et en fait, ça suivait impérativement les prodiges, les miracles, tout ça, ça se suivait, alléluia. Ils étaient connectés, amen. Et nous pouvons faire cette expérience d'être remplis davantage du Saint-Esprit, alléluia. D'être remplis davantage du Saint-Esprit. Alors que tu as fait cette expérience-là, alors cherche à être rempli davantage, alléluia. Cherche à développer ton oreille spirituelle davantage pour être conduit par lui et opérer avec lui, amen. Amen. Le Consolateur est là pour faire son habitation en nous et nous diriger, afin que nous fassions les miracles, afin que nous fassions les œuvres de Christ ici sur cette terre. Alléluia. Quand on regarde la vie de Jean-Baptiste, on voit que Jean-Baptiste, dès sa naissance, il avait le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit de manière extraordinaire. Alléluia. On voyait toutes les œuvres qu'il pouvait faire. C'était un précurseur dans le domaine. Mais nous avons encore eu une plus grande gloire que celle de Jean-Baptiste, parce que le Saint-Esprit habite en nous, contrairement à Jean-Baptiste. Alléluia. Et ça, nous ne devons pas le négliger. Alléluia, nous ne devons pas négliger cet aspect que le Saint-Esprit est un avantage pour nous. Alléluia. Et en ayant le Saint-Esprit, alors nous pouvons faire les choses que Jésus a faites sur cette terre et nous pouvons faire encore de plus grandes choses. Alléluia. Et le royaume de Dieu s'étend comme ça davantage parce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons voir aussi cinquièmement la direction de l'Esprit dans la manifestation des dons. Oui, dans la manifestation des dons, on a besoin d'être conduit. Il ne s'agit pas de nous-mêmes qui opérons comme nous voulons, mais il s'agit d'opérer comme le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit peut te dire d'opérer d'une certaine façon pour guérir un certain type de maladie. Et ça, c'est une directive que tu as reçue du Saint-Esprit et tu le fais de la même manière. Alléluia. Et pour ça, c'est important d'écouter la voix de Dieu. Amen. Très important d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour nous montrer comment opérer avec les dons spirituels. Alléluia. Et il faut savoir que quand nous avons un don spirituel, c'est un mandat que Dieu nous a donné pour utiliser ce don-là. Alléluia. C'est un mandat que tu reçois. À partir du moment où tu sais que tu as un don, alors tu as ce mandat d'utiliser ce don-là. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions les utiliser. Alléluia. Très important. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, mais vous allez pratiquer les désirs de l'Esprit. Vous allez entendre la voix de Dieu et vous allez pratiquer les désirs du Saint-Esprit. Vous allez opérer dans ses voies, vous allez opérer dans son canal, vous allez opérer dans ses voies. Alléluia. Et vous allez faire comme Dieu veut que vous fassiez et ça va marcher. Alléluia. C'est très 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 important et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des moments où Dieu a dit à certains hommes de Dieu, non, ne fais pas ceci, ne va pas par là. Alléluia. Parce que Dieu sait là où il veut que nous allions. Il connaît les besoins, il sait là où nous devons opérer. Alléluia. Amen. Dans Acte 13, on voit que Paul et Barnabas, ils avaient commencé un travail, mais après, le Saint-Esprit leur a dit non, n'allez pas là-bas. Alléluia. Il leur a dit de pouvoir aller à un autre endroit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il donne le mandat, il donne les directives aussi pour que l'ouvrier puisse exécuter la tâche comme il le dit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Paul et Silas parcouraient la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ces régions n'avaient-ils pas aussi un champ d'activité pour Paul? Oui, il y avait un champ d'activité pour Paul, mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et c'est pour ça qu'on doit être, conduit par le Saint-Esprit, alléluia, pour aller là où Dieu nous dit d'aller. Amen. Et c'est la même chose qu'on voit pour Jésus-Christ. Il avait un temps, quand il a su que Lazare était mort, il n'est pas allé tout de suite, mais il a attendu la directive du Saint-Esprit. Alléluia, c'est important, c'est très important. La Bible nous dit dans Acte 16, 7, ils essayèrent de se rendre à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et Paul et Silas voulaient aller en Bithynie, mais le Saint-Esprit les a empêchés d'aller là-bas.
Il n'est pas question de faire ce que nous voulons, mais il est question de faire ce que le Saint-Esprit veut. Alléluia. Il est question de faire ce que le Saint-Esprit veut. Alléluia. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour entendre les directives du Saint-Esprit et opérer dans la dimension de la conduite du Saint-Esprit pour opérer comme Dieu veut que nous opérions et que Dieu veut que nous allions et là où Dieu veut que nous allions. Alléluia. C'est très, très, très important. Et c'est comme ça qu'ils accomplissaient leur service dans l'excellence. Parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, ils écoutaient la voix de Dieu. Alors ils allaient dans la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est comme quand Jésus est allé dans le désert. La Bible nous dit, « Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert. » Donc vous imaginez si Jésus, il attendait les directives du Saint-Esprit, a priori, plus nous, alléluia, pour faire les choses, pour exercer le ministère. Dieu peut te dire, « Non, ne prie pas pour cette personne. » Oui, parce qu'il sait pourquoi. Il connaît le cœur de cette personne, il connaît la dureté de cœur peut-être de cette personne et que si tu allais prier, ça n'allait pas fonctionner parce que cette personne était imperméable dans son cœur. Dieu connaît, le Saint-Esprit connaît, alléluia, comment exercer les dons spirituels. Et c'est pour ça que nous devons être attentifs pour être conduits par son esprit, alléluia. Nous devons être attentifs et demander à Dieu de pouvoir nous conduire, d'être remplis du Saint-Esprit pour voir en fait comment nous devons nous mouvoir dans le Saint-Esprit, dans le mouvement de l'Esprit, comment faire. Et ça, c'est partout, c'est dans les réunions, dans les GR, dans les cultes. Oui, parce que nous sommes conduits, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un chante la louange et que le Saint-Esprit lui dit de proclamer telle parole de connaissance, c'est important d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et non par la chair, parce que la chair ne produira pas des résultats que l'Esprit produira. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter la voix de Dieu quand on fait le ministère pour que Dieu nous, en fait, que Dieu nous amène à cibler le bon endroit. Alléluia. Et qu'on ne rate pas la cible, mais qu'on puisse faire ce qu'il nous demande pour avoir du résultat. Alléluia. On a Psaume 32:8 qui nous dit que Dieu dit, je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ainsi mon œil sur toi. Alléluia. Je te conseillerai, je te montrerai là où tu dois marcher. Alléluia. Alléluia. Il dit encore, ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors pour les réfréner, quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. C'est important. La Bible nous dit aussi dans Matthieu 6:22, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps entier sera ténébreux. C'est important d'avoir l'œil de Dieu. Alléluia. L'œil est la lampe. Alléluia. D'avoir l'œil de Dieu pour voir comme Dieu voit. Alléluia. Écouter la voix du Saint-Esprit pour donner les paroles que Dieu veut donner. Et non pas nos paroles à nous, ce qu'on ressent dans la chair, mais on doit écouter pour entendre la voix de l'Esprit et la directive de l'Esprit, ce que l'Esprit veut dire à ce moment-là. Alors nous devons être attentifs à cela. Alléluia. Pour dire ce que nous devons dire et non pas ce que notre chair veut nous faire dire. Alléluia. Il n'est pas question d'aller n'importe où pour donner un message. Non, il est question d'être conduit par le Saint-Esprit pour aller là où le Saint-Esprit veut que nous allions pour apporter ce message. Alléluia. Nous sommes le véhicule de Dieu. Alléluia. Le véhicule de Dieu pour pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une habitation, n'est-ce pas? Une habitation qui va pouvoir parler pour lui, qui va pouvoir être sa main, qui va pouvoir être son oreille. Il a besoin d'une habitation pour opérer sur cette terre. Alléluia. Et nous sommes cette habitation conduite par lui. Alléluia. Nous ne sommes pas têtus comme le mulet, mais nous sommes, en fait, nous entendons la voix de Dieu et nous obéissons à la voix de Dieu. Alléluia. C'est très important. Avoir la direction du Saint-Esprit dans nos réunions, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Avoir la direction du Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit n'utilise pas que dans les réunions spirituelles. Même dans ta maison, il peut t'utiliser, te dire qu'il y a une personne au rez-de-chaussée qui a besoin d'entendre parler de Dieu. Alléluia. Il peut même te donner, le révéler le numéro de l'appartement où aller pour pouvoir aller lui donner une parole de la part de Dieu. Alléluia. Et tu lui donnes cette parole et cette personne te dira, oui, j'ai prié afin que Dieu m'envoie quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'efficace.
Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui le connaît, qui sonde les cœurs et qui connaît qui a besoin, où le besoin se trouve et qui a besoin et de quoi la personne a besoin. Parce que le Saint-Esprit sait toutes choses. Mais quand il nous révèle les choses, il nous révèle les choses en partie. Parce que si nous savons toutes choses, là, ce serait terrible. Il nous révèle en partie. Alléluia. Il nous révèle en partie, il nous donne une part de la part de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit « parole de connaissance ». Alléluia. C'est une partie de la connaissance. Parole de sagesse, une partie de la sagesse. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il donne afin d'édifier le peuple de Dieu et afin de pouvoir convertir de manière efficace les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la conduite, d'être disciplinés dans la conduite du Saint-Esprit. Alléluia, parce que nous devons entendre là où Dieu veut nous amener. Alléluia, nous voulons voir ce que Dieu nous fait voir, veut nous faire voir. Alléluia, et non pas ce que nos yeux voient. Nous devons faire la distinction et ça, ce sont des choses qui viennent avec le temps. De pouvoir écouter la voix de Dieu, d'écouter la bonne voix de Dieu, et non pas la voix de notre esprit à nous, mais la voix de Dieu, faire la distinction entre notre voix intérieure, entre la voix de Dieu, d'accord, et nos pensées aussi, parce qu'il peut y avoir un mélange. Et donc nous devons apprendre à faire cela. Et au fur et à mesure des années, nous pouvons aiguiser notre oreille spirituelle pour pouvoir entendre la voix de Dieu de manière efficace, et que quand on donne des paroles, alors ce sont des paroles précises. Alléluia, comme nous avons vu dimanche dernier, les paroles précises que Samuel donnait, alléluia, c'est très important. Tu vas à telle rue, tu fais ceci, tu vas rencontrer deux personnes, alors tu leur dis ceci. Ils vont te donner une chose, tu la prends et tu la ramènes. Alléluia. Mais ça, c'est notre aiguisement, l'aiguisement de notre oreille spirituelle. Et on a besoin que cette oreille-là soit aiguisée pour pouvoir être mieux dirigée par le Saint-Esprit et pour pouvoir opérer dans la dimension de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous instruire. Alléluia. À partir du moment où nous laissons aux commandes du Saint-Esprit, alors il est capable de nous diriger. Alléluia. À partir du moment où on laisse notre propre volonté s'éteindre pour avoir la volonté du Saint-Esprit, alors il est capable de nous emmener, de nous diriger. Alléluia, c'est très, très, très important. Alléluia, le monde a besoin de nous. Alléluia, le monde a besoin de nous. Ils ont besoin d'une parole précise. Amen. Ils ont besoin d'un toucher particulier. Amen. C'est très, très, très important. On peut voir comment le Saint-Esprit emploie chaque personne pour les différents besoins qu'il y a dans l'assemblée. Alléluia. C'est pas que les personnes qui ont un ministère, il peut employer qui il veut dans l'assemblée. Alléluia. Des frères et sœurs en Christ, alléluia, qui peuvent être là au moment de la louange et qui entendent une parole de la part du Seigneur pour toi. Amen. Il peut employer qui il veut et utiliser qui il veut au moment où il veut. Alléluia. La Bible nous dit que l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Alléluia. Les choses profondes de Dieu. C'est l'accès qu'il veut nous donner aux choses profondes de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'écouter la voix de l'Esprit. Amen. Parce que de nous-mêmes, nous n'aurons pas accès à ces choses-là. Amen. Très important, se laisser diriger. Dans ce que nous faisons, les réunions que nous faisons, les actes que nous posons, même à la maison, les choix, se laisser diriger par le Saint-Esprit, alléluia. Même dans notre famille, il y a des besoins, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Peut-être qu'on a une parole aussi pour nos familles, se laisser diriger par le Saint-Esprit, alléluia, pour entendre une parole de la part de Dieu pour eux, alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que si nous marchons dans la lumière, nous ne bronchons pas. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, alors ça va être difficile. Nous allons broncher pour la chair. Et nous avons besoin d'être éclairés, marcher dans la lumière. Faire de ta vie une vie de sanctification, alléluia, pour savoir écouter la voix de Dieu et non pas la voix de la chair. Amen. Pas chercher la reconnaissance au travers des dons spirituels. Mais faire l'œuvre avec un cœur rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la chair se prononce moins. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit pour agir dans la bonne direction. Alléluia. Dans la bonne direction. Amen.
Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'être précis. Alléluia, de plus en plus d'être précis dans ce monde où il y a des charlatans. Nous avons besoin d'avoir cet avantage au-dessus des charlatans. Nous avons besoin d'avoir cet avantage au-dessus des gens de ce monde. Alléluia. Pour que, démontrer la gloire de Dieu, pour démontrer que le royaume de Dieu est bien là. Alléluia. Qu'il y a des fils et des filles du royaume de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin de précision. Alléluia. Je connais quelqu'un aux États-Unis où la police l'utilise parce qu'en fait, il a ce don de pouvoir voir les choses. Quand on lui dit que telle personne a disparu, il peut savoir là où la personne se trouve. Vous imaginez ça, c'est incroyable. Le Saint-Esprit l'emmène dans ses profondeurs, dans cette dimension-là, afin d'être une aide pour les policiers et de retrouver les personnes. Alléluia. C'est extraordinaire. Extraordinaire, alléluia. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Mais si nous aspirons à cela, alors nous pouvons goûter à cette dimension-là, alléluia, où notre œil devient l'œil de Dieu, alléluia. Et nous pouvons percevoir des choses dans le monde spirituel, nous pouvons percer le monde spirituel et ses mystères pour pouvoir acquérir ces mystères, alléluia, et délivrer un message de la part de l'Éternel, un message qui est vrai, qui est réel, un message qui est excellent de la part de l'Éternel pour édifier quelqu'un, alléluia, pour être une source, une solution pour quelqu'un. Amen. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Est-ce que tu veux entrer dans cette dimension? Alléluia. Est-ce que tu veux cet équipement spirituel, cet équipement efficace qui te rend efficace pour Dieu? Alléluia. Et tu ne tapes pas à côté, mais tu tapes dans la cible. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Et nous devons comprendre que pour cela, il faut qu'on élève notre propre dimension à nous-mêmes. Alléluia. Si nous prions une heure, il faut qu'on élève la dimension spirituelle, alléluia, pour avoir accès à ces choses-là. Parce que nous devons être pleinement remplis du Saint-Esprit, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit pour opérer dans cette sphère. Et nous avons besoin de faire, en fait, une restriction par rapport à tout ce qui est œuvre de la chair, des ténèbres, mais nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Alléluia. Nous affectionner des choses d'en haut. Amen. Pour glorifier le Seigneur, la direction dans le Saint-Esprit, alléluia, le mandat que Dieu nous a donné d'exercer les dons dans la direction du Saint-Esprit, et il veut nous employer pour cela, afin que nous puissions être là et être utilisés efficacement par lui. Amen. Il connaît parfaitement les cœurs, alléluia, il connaît parfaitement les cœurs. Il connaît à l'instant T ce que tout le monde, ce que chacun d'entre nous ici, là, a besoin. Alléluia. Il connaît parfaitement les cœurs. Amen. Dieu ne veut pas que révéler des mauvaises choses. Hein, un tel vit dans le péché ou un tel fait ceci, cela. Non, Dieu veut nous révéler aussi des paroles qui vont édifier, des paroles qui vont construire, des paroles qui vont encourager. Alléluia. Il sonde les cœurs. Et pour ça, nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Non pas pour que la parole soit une parole qui condamne, qui fasse mal, mais que ce soit une parole de grâce qui est communiquée et qui permette à cette personne-là de pouvoir changer et d'être une meilleure personne, apporter une valeur ajoutée dans la vie de cette personne. Alléluia. Parce que le don est là avec un mandat, celui d'opérer dans ce mandat, dans le mandat du don que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Et non pas opérer dans le mandat de quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas reçu le don, alors n'essaie pas de faire des choses. Alléluia. Opérer dans le mandat que Dieu nous a donné. Amen. C'est très important. Et c'est là-dedans que le Saint-Esprit t'utilisera. Il t'utilisera que dans ce qu'il t'a donné. Alléluia. Il te dirigera dans ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est très important. Et nous avons besoin de pouvoir marcher dans cette dimension-là. La chair qui convoite des choses contraires à l'esprit, alors nous devons être opposés à cela. Alléluia. Il y a la dimension de la chair et la dimension de l'esprit. Et nous devons faire notre choix catégorique. Alléluia. Amen. Et ce mois-ci, c'est pour t'aider à pouvoir élever le niveau. Alléluia. Que quelqu'un dise élever le niveau. Élever le niveau. Alléluia. Si ça se manifestait un peu, élève le niveau, alléluia. Et que ça se manifeste encore plus, encore davantage, élève le niveau, alléluia. Amen. Par la communion avec le Saint-Esprit, alléluia.
quand nous avons cette connexion avec lui, alors il peut nous montrer comment faire et nous dire quoi faire. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Ce que vous ferez sera dans la dimension humaine, mais avec moi, ce que vous ferez sera dans la dimension spirituelle. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit, le considérer comme un avantage. Nous avons besoin d'être conduits par lui et par lui seul. Alléluia. Amen. Sois dirigé par le Saint-Esprit. Marche selon l'Esprit. Et Galates 5 nous parle des œuvres de la chair et nous parle des œuvres de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Et Galates 5, 22 nous dit ce pourquoi nous devons nous séparer. Alléluia. Parce qu'il est question de faire une séparation. Quand on veut être utilisé par Dieu, il y a des choses pour lesquelles on délaisse. On délaisse un moment pour pouvoir être utilisé de manière efficace par Dieu. Celui qui veut être utilisé par Dieu a compris qu'il y a des choses dans sa vie auxquelles il faut qu'il renonce pour être un vase utile dans la maison du Seigneur, un vase malléable avec lequel on pourra utiliser de manière efficace. Alléluia. Il est question qu'il n'y ait pas la chair qui brouille les pistes. Alléluia. Il est question d'être efficace. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Alléluia. Quand je vois la précision dans laquelle les prophètes marchaient, même dans l'Ancien Testament, je me dis, waouh, quelle dimension de précision. Alléluia. Et il y a des personnes jusqu'à présent qui marchent dans cette dimension de précision. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va être de l'à peu près ou de la médiocrité. Non. Quand il dit les choses, alors les choses sont parfaites. Alléluia. Il dit les choses avec précision, avec rectitude, et c'est exactement ça. Amen. Donc si tu es dans cette dimension, tu n'as pas encore atteint cette excellence, alors désire cette excellence. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia.